Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un retour de course. On a été chez Lidl. On commence avec du beurre, voilà, qui commence à avoir chaud, très chaud aujourd'hui. Donc on a deux pâtissiers comme ça. Un de 500 grammes, 250 grammes, pardon, comme ça. Voilà, chaud beurre doux. Hein. En surgelé. Des viennoiseries, voilà, comme d'habitude, pain au chocolat et croissant qu'il faut que je m'empresse de mettre au congélateur. Des boules de mozzarella en DLC. Du rocamadour, comme ça par 3. Du chèvre. Des tostinettes. Voilà, ici croque-monsieur, mais c'est pas très important, le principe c'est la tostinette, vous voyez. Du râpé en 500 grammes. Des merguez, des chipots, des cervelas à l'italienne. Voilà. C'est la semaine asiatique, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a beaucoup de nems, raviolis à la vapeur, etc. Et on a trouvé ça, des bao. J'en ai toujours entendu parler, j'ai jamais goûté. Voilà, après les ravioles, forcément, il y a les bao, faut bien goûter un jour. Donc ici, porc et coriandre. Et je pense que c'est ce que je vais tenter ce soir parce que ça me donne envie. Du poisson meunière. Voilà, du merle blanc du Cap Meunière. Trop bon. Du ramon. Du jambon de Paris en 6 tranches. Du jambon à griller en 2 tranches. Des deux jambons, voilà, on a prévu un riz cantonné pour aller avec les bao. Je vous mettrai comme d'habitude le menu en premier commentaire. Du blanc de poulet, voilà, 6 plus 3. On avait pris la marque Lidl, et on a vu ça, vous savez, en rayon, bah, y avait, on a trouvé ça en promo, quoi. Donc bah, on a pris plutôt la promo, parce que c'est vrai que 6 plus 3 est plus avantageux que les paquets normaux. Je me suis pris une salade, voilà, poulet rôti cheddar. Je mange sur place demain. Et j'aurais pu faire maison, mais je savais pas quoi faire. Donc voilà, j'ai pris ça. Puis comme ça, j'ai pas à me tracasser, à chercher quoi faire, à faire. Alors, je le ferai plus tard, mais là, j'avais pas d'idée. Donc j'ai pris ça. Des clafoutis au... abricots, pardon, de chez la laitière. Spaghetti, 1 kg. Des croûtons à l'ail et au persil, en classique. Des œufs. 1 kg de tomates cerises, il y a une promo. Des champignons de Paris. Des coupelles de fruits, trop bon. Monsieur s'est pris du cornet de bœuf. Des petits pois. Voilà, bon duel, il n'y avait pas la marque Lidl. Des haricots verts. Des sauces, donc ici, burger et pommes frites. On va tester celles de chez Lidl, on les connaît pas. Je me suis pris 2 cups de nouilles. Voilà, bonsaï noodle. Donc ici, bœuf, poulet, parce qu'il y avait curry aussi, mais je suis pas fan. Des gnognos, des kikis. Ça fait au moins 30 ans que je dis que je dois essayer de les faire maison. Et on a vu passer une recette sur TikTok. Vous voyez les pâtes à la feta, la fameuse recette avec les tomates cerises. La même, mais avec des gnocchis. J'ai envoyé ça à monsieur, en plein magasin, il m'a dit faut qu'on la fasse. Du coup, bah, obligé d'acheter des gnocchis en attendant que j'en fasse maison. Mais c'est pas grave, ça revient au même, hein, c'est juste que c'est pas moi qui les aurais fait. Des mini gâches. De la purée de tomates. De la feta. Monsieur a trouvé des rillettes en DLC, forcément il les prend. Des bonbons, mais pas des bonbons bonbons. Ce sont des, voilà, des bonbons à menthe eucalyptus. Voilà, monsieur. Et moi je me suis pris des bonbons à la menthe. Voilà, parce que je sais plus si je vous l'ai dit ou si vous avez remarqué. Je suis prise au niveau des bronches. C'est un massacre. Travail, j'ai hyper mal au thorax. Donc, enfin bref. Je me suis pris une bonne dose de sucre. Des baklava. Voilà, vous savez, les feuilletés à base d'amandes, de pistaches. J'avais déjà pris des pâtisseries marocaines dans un de mes retours de course.
J'adore ça, voilà, j'aime le Maghreb. voilà, j'adore le couscous. Les pâtisseries marocaines, c'est le miel, les amandes, les pistaches, ma passion. Donc voilà, j'avais pas de baklava quand dans ma boîte. Il y en avait, donc j'en ai pris. Et j'ai aussi pris ça. Allez, Jive, moquez-vous, moquez-vous. Devinez pourquoi je les ai pris. Alors, on est d'accord que c'est la marque Lidl. Ça aurait été la marque Kinder, je ne les aurais pas pris. Ce sont parce qu'il... Enfin, je les ai pris parce qu'il y a des figurines Scooby-Doo. Voilà, si vous voulez en apprendre plus sur moi, je suis gaga de Scooby-Doo. C'est ma passion. Je me souviens qu'à l'époque, mon père... je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une peluche qui était sortie parlante. Voilà, une grosse peluche avec un moteur. Il fallait appuyer dessus et ça disait les phrases de Scooby-Doo. Voilà, ma passion, Scooby-Doo. Je tombe dessus, t'es sûr que je regarde, hein, même si je l'ai déjà vu, mais c'est pas grave. C'est, voilà, si vous trouvez des choses Scooby-Doo, faites-moi signe. Non, je rigole, je collectionne pas, mais c'est vrai que, voilà, là, c'est l'enfant qui a parlé. J'ai vu qu'il y avait des œufs Scooby-Doo, j'ai pris les œufs, tu vois. Mais qu'on soit d'accord, c'est juste parce que, voilà, c'était Scooby-Doo, c'est exceptionnel, et que c'était la marque Lidl. Ça n'aurait pas été Lidl, j'aurais pas pris, parce que les Kinder, ça vaut la peau du fion. Voilà, pardon de dire ce qui est, hein, mais à l'époque, ça, nos parents, ils adoraient, enfin, moi, je vois, ils m'en achetaient. Aujourd'hui, c'est plus le même tarif, les œufs Kinder. Donc, voilà, c'est exceptionnel. C'est l'enfant qui a parlé, et c'est pas... Je m'en fiche, en fait. Ça me fait kiffer, donc laissez-moi kiffer. On a deux jus comme ça, un pomme et un orange en format XXL, de l'ice tea, du savon main. Ça part vite, on en a acheté il y a pas longtemps, mais on se lave tellement les mains que ça part très vite en plus. Le bidon de la salle de bain est assez petit, même si voilà, il paraît grand en fait, le réservoir est petit. Donc c'est vrai que ça part vite, donc on en a repris, voilà, Coco Passion. Des mouchoirs, comme on dirait chez moi. Des mouchoirs. Du dentifrice, voilà, pour monsieur, parce qu'il n'aime pas le mien. Du coup, il est obligé d'en prendre. Des lingettes désinfectantes multi-usages. Virucides, bactéricides et fongicides, pardon. Pour, voilà, surface, main, enfin... Et on les a pris surtout pour les mains parce que j'en ai des gros paquets pour la maison. J'en ai jamais dans mes sacs ou dans le sac de monsieur. Et tantôt, ça nous aurait bien été utile parce qu'on a été faire un tour en ville pour quelque chose en particulier et on a pris le goûter. Et j'ai pris un... Comment ça s'appelle? Un granité. Sauf qu'il n'y a pas de bouchon. Enfin, ça m'a coulé sur les mains. J'ai les mains complètement tachées. Voilà, c'est... En plus, ça colle. Donc, j'aurais bien aimé avoir une lingette sous la main. Donc, voilà, j'ai repensé à ça. Un petit paquet. Voilà, c'est juste au cas où ça colle ou des trucs comme ça, vous voyez. Je me suis pris un cahier. Voilà, moyen format à spirale. Voilà, avec des petits carreaux. Voilà, feuilles détachables. Voilà, tout simple. Parce que pour la formation, j'ai un petit cahier classique. Mais je m'en sors pas, il fait la tronche. Hein, je le trouve pas pratique. Donc là, à spirale, ça va être plus pratique pour écrire. Ça va être plus présentable qu'un cahier déjà entamé et tout abîmé de partout. Du parfum, je me suis repris du parfum. Même que celui que j'avais déjà pris la dernière fois. Mais Cosmic Girl. Voilà. Alors là, comme ça fait très gamin, mais je vous assure que l'odeur ne fait pas enfant. Ça sent très bon. Ça cocotte, mais ça cocotte pas. Il sent vraiment très bon. Même monsieur l'a approuvé et il prend moins le nez que le précédent que j'avais, le normal, le rouge. Parce que je vois le rouge dès que je le mets. Voilà, monsieur a déjà fait la remarque. Tu le sens direct et ça prend la tête. Que celui-là, à peine j'ai vaporisé, il sent, mais il prend pas la tête. Je sais pas si vous verrez ce que je veux dire. Mais ouais, j'ai presque plus de parfum. Et voilà, je sais qu'à Lidl, ils en ont, donc j'ai pris celui-là. Une veste, voilà, de marque Lidl. Les Vergy, Sweet Zippé. Voilà, je sais pas si vous verrez.
Monsieur a flashé dessus, donc j'ai dit à monsieur de le prendre parce qu'il me cassait la tête avec. Voilà, quand monsieur flash sur quelque chose et qu'il sait pas s'il doit le prendre ou pas par rapport à notre budget course, enfin, je vois par rapport à Lidl en tout cas, voilà, c'est ah, j'hésite, ah, je sais pas, ah, il me plaît bien, ah, et puis je lui dis, mais vas-y, prends-le, enfin, c'est Lidl, c'est pas New Yorker ou. Niveau prix, ça se vaut, enfin voilà, 13 euros, vous aurez le prix exact, mais c'est voilà, ça aurait été dans un autre magasin encore. Bon, là on était sur place, Lidl, ça se vaut en plus, niveau vêtements, ils ont des trucs sympas. Donc voilà, il va encore faire le beau gosse avec une nouvelle veste. Voilà, j'espère que ce petit retour de course vous aura plu. On n'hésite pas, on commente, on like, on partage, on s'abonne si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous embrasse.